Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. La police haïtienne dément le RNDDH, l'institution policière, rejette le rapport de l'organisme de défense des droits humains, dénonçant la présence de 84 individus suspects au sein de la 26e promotion. En conférence de presse ce mercredi, les commissaires Franz Lerbourg et Manuel Corville, respectivement porte-parole et responsable du service de recrutement de la PNH, ont fait le point sur cette affaire. Nous préoccupés par le rapport là, justement, parce que toute précaution a été prise pour ne pas gagner aucune suspicion sur ça. Et nous toujours partagé depuis environ trois dernières promotions, nous toujours partagé enquête nous avec RNDDH qui lui-même parallèlement toujours cherche qu'on est origine moun yo, si moun yo pa gen passé criminel. C'est une triangulation qui fait sous question ça, que bureau de recrutement fait sous question ça. Une triangulation qui implique l'inspection générale, la Direction centrale de la police judiciaire et RNDDH, qui est censé représenter une bonne partie de la société civile là. Et c'est par souci de transparence que la police toujours fait. Parce que nous voulons assurer que tout le monde qui entre en dedans dans l'institution est au-dessus de tout soupçon. Maintenant, si pendant yon dedans, il y a des problèmes qui posent pour vous, la résoudre en dedans. Mais nous voulons screener, filtrer depuis la porte d'entrée de l'institution. C'est ainsi que le bureau de recrutement est partagé. Non, moun qui était listé pour être capable de faire une enquête parallèle à l'enquête de la Direction centrale de la police judiciaire qui lui-même dans fichier a vérifié si moun zéro pas gen passé criminel. Sous 1513 moun sa yo, te gagné 56 moun que gen 50 là-dedans qui te gen non qui semblait nous dit bien qu'il semblait avec moun qui t'a gen passé criminel et c'est sa rapport Direction centrale police judiciaire là te dit et gen 6 moun là-dedans qui c'est des moun qui en a fait avec la justice que nous écarté automatiquement gen yon là-dedans de CPJ arrêté sous place. Sur les 50, le bureau de recrutement a jugé bon de faire un double check parce que chargé moun qui gen même nom ou pas capable décider que c'est moun sa qui était criminel vraiment. Mais rapport en tout dit mais qui l'a été arrêté moun sa yo et mais qui dans qui commissariat yo te. Le travail du bureau de recrutement c'est prendre yo aller al vérifier dans cahier de main courante commissariat sa yo pour confirmer s'il s'agit bien de moun sa yo. Ça c'est double check là. Et il révélé pour les 50 dernières personnes que moun sa yo pas gagné rien à ouais à passer criminel. C'est des noms qui semblaient avec moun qui impliquait là-dedans. Non seulement nous voyons le bas des CPJ, nous voyons le bas des AP le même jour, nous voyons le bas des directions administratives pénitentiaires, qui lui-même était voyé réponse bas nous depuis en novembre, il n'est pas prêt à pile dans le voyé réponse bas nous. L'élève voyé réponse, nous allons vérifier ça le dit. Parce que lui, on doit bas nos informations, nous allons vérifier, et puis il voyé photo bas nous tout. Il voyé des photos, que nous avons photos ça là. Voilà. Nous avons toutes photos, 56 moun, il voyé bas nous. Ensuite, nous écrit RNDDH le 5 novembre 2015. Il n'y a pas de jambo et réponse à nous du tout. Sous autorisation inspecteur général en chef là, nous allons aller et personnellement, chaque compte passé dans RNDDH, je dis madame n'est pas là, il n'est pas disponible. Je suis allé si je en lundi, il va me rendez-vous à 2h30 sous recommandation inspecteur général en chef là. Je me mette DCA au courant que je me déplace dans le NDDH parce que je ne peux pas déplacer sans le pas connaître. 2h30, je arrive. À 3h, je remets mon liste. Qui c'est ça? C'est le même nom DCPJ. Même bagaille. Je montre là quand même. Tout dossier ça. C'est audition faire à tout le monde. Toutes 56 personnes ont auditionné tout. Et puis, je suis dans le commissariat. J'ai un commissariat dédié. Nous avons vérifié l'information. Il y a un commissaire à Port-au-Prince qui t'a aidé nous en pile. Parce que Pifo Mounio, c'est un commissaire à Port-au-Prince. Nous avons un commissaire à Carrefour aussi. Registre de rétention, vous faites copie. Investigation, bah non, exactement côté où tu as enregistré Mounio, ça vous avez arrêté. Nous avons annexé avec plusieurs noms Mounio, mais deux là. Après, nous sommes capables de voir dans la liste
dans liste moun yo met dehors dans promotion à l'école là-bas non n'a pas moun sa qui dans liste de CPJ a qui exactement c'est même bagay pas gen aucune différence. Moi rentre là quand moi avec tout dossier ça me lit tout rapport encore moi même là ça me dormit 1h30 du matin. Le lendemain moi vini inspecteur général la chef là me dit tout bagay ça reviser c'est des monde qui gen non similaire. La ministre de la Santé publique et de la Population, Daphné Benoît-Delsouin, a abordé l'invitation de la commission permanente Santé publique du Sénat autour de la persistance de la grève au niveau des hôpitaux publics du pays. Vu la pertinence de la question, le Premier ministre Inex Jean-Charles, qui a répondu à l'invitation de la dite commission, a sollicité un report de la séance pour la semaine prochaine, question de permettre à la ministre de se présenter. Le président de la commission, le docteur Karl Murat-Cantave, a décidé de reporter la séance à lundi prochain. Au cas où la ministre de la Santé, Daphné Benoît-Delsouin, ne se présenterait pas à nouveau, elle sera convoquée par la commission, a menacé Karl Murat-Cantave. Vu l'urgence qu'il y a pour nous empêcher frère, nous, ça nous a mouru dans la condition ça, côté par l'hôpital pour nous recevoir, nous avons demandé au Premier ministre là, nous avons invité le jeudi là, pour que nous avons attendu accompagné des ministres impliqués de la gestion de la crise, comme le ministre des Finances, le ministre de la Santé publique, le ministre de la Planification, pour que au sommet, nous avons fait une rencontre, une séance de travail qui est capable de pour rôle pour que nous arrivions à joindre les solutions appropriées et de façon célère, n'est-ce pas, à cette crise qui frappe les différents espaces hospitaliers de ce pays. Mais aujourd'hui, nous avons reçu le Premier ministre sans les ministres concernés. Eh bien, sous demande du Premier ministre, là, eh bien, nous reportons cette séance-là pour le lundi 16 mai à 10h du matin. Et cette fois-ci, le ministre nous a donné la garantie qu'il se fera accompagner de ses ministres pour qu'ensemble on puisse avancer dans la gestion de cette crise et qu'on puisse trouver la solution qu'il faut, la solution convenable. Comment comprendre l'absence ministre? Premier ministre là dit donc que il y a une séance de travail de faire avec ministre d'abord et après séance de travail ça, il y a mieux armé pour que justement il y a une chita avec nous pour que question nous caposer, décortiquer et trouver, n'est-ce pas, la solution appropriée. Le rendez-vous, c'est pour le lundi 16 mai à 10h du matin. Parce que nous croyons que jeudi, le ministère de Santé publique et population dépassé par les événements. Nous croyons que jeudi, la primature, en tant que suprastructure qui gagne capacité pour que l'équipe fonctionne, pour coiffer toute l'autre entité ministérielle et qui a pris des décisions, de hautes décisions, alors nous invité Foko et ministre accompagné de ministre. Et si le ministre a boudé encore en compte ça? Eh bien, le ministre sera convoqué. D'ailleurs, il y a des gros déjà au niveau de l'Assemblée des sénateurs. Déjà, il commence à se mobiliser au cas où le ministre de la Santé ne se présenterait pas lundi, accompagné du Premier ministre. Eh bien, ce ministre sera convoqué et vous savez que la convocation c'est une sorte de blâme. Et si elle n'obtempère pas, elle sera interpellée. Nous avons les moyens politiques, ça, sénateur. Nous avons les moyens de notre politique. Parce que nous, les sénateurs, nous sommes un. Même s'il y a une sorte de polarisation, le groupe majoritaire, le groupe minoritaire, quand il s'agit, n'est-ce pas, des intérêts supérieurs de la nation, comme la question de la santé, les sénateurs se proposent de s'unir pour adresser ce problème avec la plus stricte des rigueurs. Le gouvernement intervient actuellement au niveau de l'Artibonite, des Nippes et du Sud-Est, trois départements victimes des dernières inondations enregistrées dans le pays. L'information a été confirmée par le Premier ministre Inex Jean-Charles, intervenant en marge d'une rencontre avortée avec la Commission permanente Santé publique et population du Sénat autour de la situation dans les hôpitaux publics du pays. Il n'est pas question de décréter la permanence de l'état d'urgence pour le moment, vu que l'État a le contrôle de la situation, a assuré le chef de la primature, Inex Jean-Charles. Le gouvernement au plus haut niveau est touché par ça qui a passé
dans le pays. Inondation qui était gagnée à travers le pays. Nous rendons compte que quel que soit la pluie qui tombe, c'est une catastrophe. Nous avons déjà actionné depuis quelques temps tout système pour faire face à ce genre de situation. Et ça fait nous avons rapidement fait appel au ministère de l'Intérieur, à la protection civile, au ministère des Travaux publics, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Défense, où tu es intervenu dans différents coins de territoire là pour rapidement débloquer la route qui était bloquée, rapidement pour nettoyer le canal qui était bouché. Et depuis lundi, nous entrons dans une autre phase qui s'est portée secours à monde qui était victime pendant la période ça. Et combien ça commence à y aller dans ça? Donc, hier, le ministre intérieur a été fait en conférence de presse, en primature là, côté il était présenté comment ça y est. Et c'est chaque jour qu'il y a de nouvelles interventions qui sont faites. Et c'est à la fin de chaque journée que j'ai un rapport sur ça qui est fait. Donc à la fin de la journée. La population sinistrée a commencé à recevoir aide gouvernement. Oui, oui. Il y a une aide qui baille à la population sinistrée, il y a des gens qui ont délogé, qui ont mis de l'autre côté. Le département qui est touché, selon le rapport. Bon, selon le rapport que j'ai gagné, c'est que nous avons des cas. Dans la Tibonite, Gonaïves, Saint-Marc, nous avons gagné Baradère, nous avons gagné tout le département sud-est qui était touché. Nous obligés de faire intervention un peu partout à travers le territoire. Naturellement, nous décréter état d'urgence, c'est l'heure et nous retrouver nous dans une situation qui totalement dépasser la capacité budgétaire qui était prévue. Donc pour le moment, on a fait face à la pluie sans que nous puissions même entrer dans la véritable saison cyclonique. Donc, mais ça n'a pas fait qu'on y a, et nous déjà fait, le système de gestion risque et désastre là a travaillé tous les jours pour nous préparer, nous, pour nous faire face à la difficulté que Cap Vini. Y aura-t-il convocation à l'extraordinaire de la 50e législature? La possibilité existe, selon le Premier ministre. Il est mathématiquement impossible de respecter les dates prévues dans l'accord du 5 février dernier. Le 14 juin, il reviendra à l'Assemblée nationale de décider du sort du président Privert, a avancé le Premier ministre Inex Jean-Charles. Bon, 14 mai, son date qui écrit en dedans. Accord 5 février 2016 là. Mais gagne en pile date qui écrit dans l'accord 5 février 2016 là. Et depuis le jour que nous avons présenté politique générale dans le Parlement, nous rendons compte que nous avons des difficultés pour respecter la date qui est prévue dans l'accord. Et tout comme nous avons plusieurs dates. Oui. Toute date, nous avons des difficultés pour nous respecter. Nous n'avons pas respecté 14 et 15. Nous ne connaissons pas qu'à respecter 14 mai, parce que 14 mai, c'est une date pour installer un président élu. Pour installer un président élu, il faut faire des élections. Pour faire des élections, il faut convoquer le peuple en ses commises. Pour convoquer le peuple en ses commises, il faut gagner un gouvernement. Pour gagner un gouvernement, il faut gagner un CEP. Pour gagner un CEP, il faut gagner un gouvernement. Date pour convoquer le peuple en ses commissions, c'est le 24 mars. Si vous voulez faire élection le 24 avril, c'est le 24 mars que vous avez présenté politique générale ici. Et c'est pour ça que vous avez déclaré, depuis le 24 mars, là, n'a pas respecté l'accord là, dans différents points que vous avez pendant que nous n'avons pas pris engagement que nous n'avons pas respecté. Donc cela veut dire, dans l'accord là, gain organisation deuxième tour élection, nous tient pour nous organiser, et puis gain la transmission du pouvoir à un président élu que nous tient pour que transmission ça. Donc 120 jours là, nous ne pouvons pas respecter 120 jours là. 14 juin, ça dépend de l'Assemblée nationale.
La Commission permanente éthique et anticorruption du Sénat a auditionné ce mercredi 11 mai 2016 le directeur du bureau de monétisation BMPAD de septembre 2008 à janvier 2015, Michael Lecor, dans le cadre de l'enquête en cours autour de la gestion des fonds Petro-Caribim. Dans son intervention, l'ancien DG du BMPAD a informé qu'il a débloqué la somme astronomique 2 669 549 617,33 $ pour 270 projets suite à 10 résolutions prises par les régimes successifs. Ces fonds ont été débloqués au profit de plusieurs firmes de construction suite à des ordonnances du ministère des Finances, a expliqué Michael Lecor, visiblement stressé en répondant aux questions de la commission renforcée par la présence des sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé, Rupsner Polycarp et Steven Irvinson Benoît. Résolutions. 10 résolutions pour 275 projets. Et le montant? Le montant des 10 résolutions, c'est 1 669 549 617,33 $. On m'a donné le poste de directeur commercial. Vous êtes directeur commercial de la compagnie. C'est la compagnie qui a un contrat de $889,000 américains chaque mois avec l'État ici. Oui, c'est pour la maintenance de 3 usines. Oui. La maintenance comprend le paiement de 350 employés, le remplacement des pièces de rechange, et parce que je vous dis que c'était la mieux-disante. Il y avait une différence de 113% avec l'autre compagnie qui avait fait l'offre. Bon, 113%. Le grand problème, c'est que je ne comprends pas. Si vous avez signé le contrat et après vous êtes le directeur commercial de cette compagnie. Mais je ne travaille pas dans la compagnie. Je ne travaille plus maintenant. Je peux aller travailler n'importe où. Mais jusqu'à présent, vous êtes directeur commercial de cette compagnie. Mais je vous ai dit que c'est en juin 2015, quand j'ai laissé le travail en janvier 2015, on a nommé quelqu'un d'autre, on a nommé M. Saint-Lô. On a pris position en février 2015. En juin, c'est-à-dire 5 mois après, je ne pouvais pas me rester à tourner les pouces. Le pouce, donc, j'ai dit, bon, quel contact que j'ai en République dominicaine, je ne connais personne, je suis un étranger, je venais visiter ma femme, mais maintenant que je suis dans le pays. Donc, j'ai été là où se trouve cette compagnie-là et j'ai appliqué pour un travail. Et je travaille de 9h du matin à 6h du soir. Vous n'êtes pas même fondateur de la compagnie? Non. Ah, c'est ce qu'on peut comprendre, que vous étiez membre fondateur de la compagnie et après votre départ, vous prenez votre place comme directeur commercial de cette compagnie. Non, pas du tout. La plateforme politique Réponse Paysan dit prendre acte de l'échec du président Privert dans le cadre de l'exécution de l'accord du 5 février. La plateforme exige la publication du nouveau calendrier électoral et le départ du chef de l'État le 13 juin prochain comme solution à la crise politique. Cristalin Joseph et Eudes Lajoie, membres de la plateforme politique Réponse Paysan, ont profité de l'occasion pour énumérer une dizaine de points d'ombre relevés dans la gestion du président Privert. Nous saisissons l'occasion, ça, aujourd'hui, pour nous venir lancer un message à la nation, la communauté nationale et internationale. Le message nous a lié deux aspects. Le premier aspect, nous sommes là pour nous exiger calendrier électoral qui va accoucher deuxième tour élection Cap Gain Jovenel ak Jude. Deuxième objectif là, nous vin exiger départ privé sans condition. Quel calendrier électoral, quel pas gain calendrier électoral, nous déclarer 13 juin ouais pas ouais, c'est pour privé quitter pays a. Parce que privé pas de vle faire élection, privé pas qu'à faire élection. Privé comploter un nouveau massacre qui est plus terrible parce que Riel Vaillant. Et pour ça, il débloquait déjà $6 millions, mettez dans la RIAP, faites tractation pour bailler des gazam, pour mettre des âmes dans l'autre monde, pour massacrer le peuple haïtien. Que ce soit dans le mouvement mobilisation,
partisans Jovenel Moïse ont organisé et que ce soit dans le deuxième tour élection. Nous avons identifié et énuméré depuis le mois de mars dernier les 11 fautes graves de M. Privert et que nous avons baptisé les 11 péchés capitaux de Privert. À 11 fautes graves, nous avons ajouté 4 autres et ces 15 raisons qui portent nous aujourd'hui à réclamer départ privé sans condition. Que gen calendrier électoral qui dit Jovenel Moïse au second tour à Jude Célestin, que M. Privert invite le peuple en ses commissions pour prendre chemin élection dans date calendrier après le prévoir ça. 13 juin, nous dit M. Privert, pape karete dans le pays encore, qui 15 péchés yoye. Premier péché, Monsieur Privert, l'elfe écrivait dans la tête l'État, lui ignorait le massacre la Syrie. Pendant ce temps, c'est une suspension d'audience qu'elle te bénéficié dans le procès. Deux, lui te falsifié la constitution amendée pour te cabine président provisoire pays. Trois, c'est une intrigue. L'été arrivé président de l'Assemblée nationale. La. 4. C'est dans compromission. L'arrivé dans la tête l'État pays. La. 5. C'est lui qui te baille tête le job pour organiser deuxième tour élection yo, selon l'accord 5 février 2016. La. 6. L'y trouver en désaccord avec l'accord 5 février 2016. La. Qu'elle te rédigé, signé et bénéficié le tout. Une dizaine de sympathisants de l'organisation politique Embarqué pour changer et de Molégaf ont manifesté ce mercredi devant les locaux de l'immigration et de l'émigration en vue de dénoncer la corruption qui gangrène cette institution depuis plusieurs années. Angelo Adrien et Saint-Flour Edouard, membres de l'organisation, menacent de recourir à d'autres formes de contestation dans les jours à venir pour faire passer leurs revendications. Je dis à sa révolte ensemble organisation ça. T'as coup un baquet pour changer, mon les gars, nous disons ça pas capable de continuer. Nous avons déposé un passeport pour 600 gouttes. C'est vraiment une petite difficulté pour jouer un passeport. Nous avons décidé de déposer. Qui donc, jeudi, nous faisons constat. Immigration, tout nous espace de marché. Il y a deux personnes qui associent. C'est Jeff Alteris avec le Ben. C'est deux messieurs ça. Qui transforme l'immigration, qui fait l'immigration tous les jeudis à l'espace de marché. Ça révolte. Nous demandons, citoyens, pour continuer à lever le camp, nous ne sommes pas capables de quitter ça passé. En tant qu'organisation de lutte, en tant qu'organisation de combat, pour l'espace étatique, ça, pour nos espaces de marché. Nous-mêmes, nous sommes une organisation, ça. On va pas changer. Bon, les gars, nous disons, quel que soit le prix à payer, nous pas arrêter de voir croiser. Faut que le peuple là, faut que contribue à nous. Je nous notre service qui donne son service de qualité. Ce bagage qui grave. Je ne veux dire ce bagage 10 000 gouttes. Nous pas capable d'accès avec le passeport. Donc nous sommes les services de nation. Parce que je viens les droits citoyens. Je viens les droits contribuables pour avoir accès à un passeport. C'est dans la logique ça. Ensemble organisation de lutte ça. Ensemble organisation de combat ça. Nous est-ce qui combat ça? Qui sont combats de société? Qui sont combats citoyens? Qui sont batailles citoyennes? Nous disons. Ça pas capable de continuer pour un passeport tourner une pièce de lutte, le passeport sur une pièce d'identité. Nous-mêmes, ça qui est important pour nous, c'est que toute administration régie par ensemble des normes et des principes administratifs. Eh bien, là que ensemble des gens qui est responsable pour faire respecter les normes, pour faire respecter les principes, eh bien, c'est moun sa yo qui a violé les normes, qui a violé les principes. Eh bien, ça nous dit, pas qu'il y ait un lien à l'administration, parce que ça qui a passé en dans l'immigration, employé en dans l'immigration, faire institution ça a tout non espace des raquettes. Fait espace ça tourner au espace et des bras côté que employé fait tout fait espace ça tourner espace de sabotage côté que chaque jour employé a fait 600 dollars seul même sécurité non sabotage en immigration. Et bien nous-mêmes en tant que citoyens cap défendre droit
moun ki pi mal yo. En tant que citoyen, cap surveiller tout ça qu'a fait qui bon et pour sanctionner tout ça qu'a fait qui mal, nous disons c'est inacceptable pour que nous quittions une institution étatique à fonctionner comme ça. Nous demandons aux autorités étatiques pour prendre tout bon gens à disposition, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions des services y a bail contribuable. Les victimes du choléra de concert avec certaines organisations populaires, dont Molégaf et Mila, continuent d'exiger justice pour les victimes de l'épidémie du choléra. Élisane Villeney, l'une des victimes de l'épidémie du département de l'Artibonite, pointe du doigt les forces onusiennes dans la propagation du choléra en Haïti. 2000 lettres ont été acheminées au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire passer leurs revendications qui ne sont jamais prises en compte. Denis Lissage, une autre victime à Bourg-en-Carré, invite la population à un sit-in devant les locaux de l'ambassade américaine le jeudi 12 mai. Suivons-les au micro de Télégalaxy. Objectif conférence là, c'est pour informer la communauté nationale et internationale. Dans quatre gros mobilisations contre ingérence qui tombent chaque jeudi devant l'ambassade pays États-Unis depuis plus passé deux mois. Victime choléra yo à présent jeudi cap 12 mai. Sorti 11h du matin pour arriver iné. Et puis a profité adressé à l'état pays États-Unis qui c'est membre Conseil sécurité Nations Unies à travers ambassade li en Haïti. 2000 lettres que victime choléra yo té écrit à Conseil sécurité Nations Unies. Yo manière pour expliquer trahi choléra ministère a fait yo passé. Dans ce sens, jeudi 12 mai, victime choléra yo ap devant ambassade pays États-Unis pour dénoncer l'État États-Unis comme complice Nations Unies qui champion dans violer droit moun ak dignité moun. Les li servi ak désastre humanitaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là qui était derrière pour empoisonner peuple haïtien ak yon germe choléra. Victime choléra yo ap devant ambassade pays États-Unis pour dénoncer silence li comme gros pays kap coupé rache nan Conseil sécurité Nations Unies. Les li konnen ak lè se agent malédiction ministère yo ki te lagé yon bonne toilette nan de rivière Mey pour yo te ka simaye choléra nan pays ya. Et depuis là ça en pile maman ak ti moun lagé sans secours. À cause choléra ça. Chaque jour, haïtien ap mouri pa pile ak paquet. Nous vend bœuf ak cabri pour acheter vi nou sou kabann l'hôpital choléra ministère. Ça qui pire là, jusqu'ou lia nous pa ka travay à cause maladie qui te yon choc nan tout kòn. En pile nan ti moun ki perdi papa ou bien maman yo ap passé misé. Pa ka à l'école, Nations Unies krasé fami nou. Augmenter misère nous à choléra. Nous même victimes yo ensemble avec avocat nous dans BAI ou bien avec pour organisation progressiste n'a piqué devant ambassade pays États-Unis pour nous dire suspend by impunité j'arrête. Qui donc comme États-Unis c'est un membre conseil là, nous pral devant ambassade là pour nous exiger le suspend supporter si actes violence et droit à dignité moun Nations Unies yo. Sous bout terre papa de Saline là. Nous mandel pour lui prendre position à clair dans toute instance dans Nations Unies pour justice et dédommagement victimes choléra. Dans ce sens, nous avons lancé un appel pour demander à toutes victimes choléra ministère, tout partout dans le pays, pour porter coller dans quatre gros mobilisations devant l'ambassade des États-Unis. J'ai dit qu'à 11 mai, dans l'autre bord, on a fini pour nous dire, président privé, que tout le monde a clair qu'on est capable d'agir en bas dicté gros pays ou bien les papes blancs. Lenli mettait sous pied commission vérification électorale là si ou gars sont tout bon vrai prend position publique en faveur victime choléra yo et puis dit à clair ou pas renouveler mandat ministre 15 octobre qui va venir là rendez-vous cassé devant ambassade américaine demain jeudi 11 étape. Voilà qui met fin à ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi.